Alors, bienvenue à cette présentation féline. Donc là, on va vous montrer un petit échantillon des 68 races qui existent au niveau du livre des origines félines. Je tiens déjà à remercier la Société Centrale Canine, ainsi que le Concours Général Agricole et le Salon de l'Agriculture, qui nous vous permettent de vous organiser cette présentation féline avec cet échantillon. Alors, quand on parle de race féline, l'OFF, le livre officiel des origines félines, est là pour gérer le pédigré. Le pédigré, c'est l'arborescence généalogique du chat sur 5 générations qui figurent sur vos pédigrés, mais on va bien au-delà au niveau de nos registres. Au niveau du LOF, vous avez pu voir sur la vidéo il y a quelques instants, on a un système de qualification de reproducteurs qui permet de prendre en compte des critères de qualité et des critères de reproduction pour les différents chats que nous avons devant nous. Alors, quand on parle de chat de race, vous l'assimilez peut-être à un chat que vous auriez parce qu'il est de la même couleur, mais en réalité, les éleveurs vont bien au-delà de ça. Ils ont un standard, ce qu'on appelle le patrimoine génétique, et on attend d'un chat qu'il ressemble à son standard. On imagine bien Fine, qui est une vache au pinoir. On la demande avec un certain critère et elle est représentative de sa race. Ainsi là, chaque spécimen qui vont vous être présenté sont conformes à leur standard. Il doit s'en approcher, c'est le chat idéal qui est écrit sur le papier et les éleveurs font le travail de sélection pour arriver à ce but-là. Nous avons aussi, dans le principe des éleveurs, ils vous garantissent aussi et ils essayent d'apporter au maximum des chats qui sont sociabilisés, qui sont adaptés et aptes à vivre avec vous. Il est important, quand vous choisissez votre chat, de bien vous déplacer chez l'éleveur. Il faut bien vous imaginer que le travail de sélection va aussi avec un travail de sociabilisation pour qu'il vive avec vous. Donc, on va vous présenter ce panel. On va démarrer par un de nos premiers chats, le chat français, un chartreux. Le chartreux, qui fait partie des chats français avec le sacré de Birmanie, on lui demande d'être un format semi-cobie. Alors, je vais y revenir souvent. Le format semi-cobie, c'est un carré plus la moitié de l'un, un beau rectangle. On va voir après avec le persan, on va demander un format cobie qui est un carré. Là, au niveau du chartreux, on lui demande d'être puissant sur pattes, d'être grand. Nos amis canadiens le comparent généralement à une pomme de terre sur des pattes d'allumettes. Bon, voilà. Alors, attention, le rapport poids, beaucoup de gens demandent aux éleveurs qui sont présents quel est le poids du chat. On parle rarement de poids, tout simplement parce qu'un Maine Coon va être grand, et un animal qui est grand, c'est comme nous, un humain. Quelqu'un qui mesure 2 mètres, on ne va pas lui demander le poids. On s'attend bien à ce qu'il pèse plus lourd qu'une personne d'un mètre 50. Donc chez le chat, c'est pareil. On parle rarement de poids. On lui demande simplement, entre les hanches et les épaules, d'être dans une ligne droite. S'il a un peu de ventre, c'est qu'il est trop gros. S'il c'est un peu creusé, il va être un peu trop maigre. Mais on parle rarement de poids parce que vous allez voir, il y a vraiment des différences morphologiques. Et chez le chartreux, on dit, comme chez le Maine Coon et d'autres races, on constate un dysmorphisme sexuel. Donc c'est-à-dire que la femelle va paraître beaucoup plus fine et élégante que le mâle. Là, le chartreux, on a des bajoues. Ces bajoues sont propres, on peut les comparer aux cervidés qu'on trouve dans la forêt. Un cerf qui est stérile n'aura pas de bois. Un chartreux, il a des bajoues comme le Maine Coon. Les bajoues sont des amas graisseux qui sont propres à la testostérone, qui est des hormones de mâle. Donc le chartreux, on va le trouver toujours que dans une seule couleur, le bleu. C'est un chat à poils courts. Ses yeux, on lui demande qu'ils soient de jaune à orange. Sur les pédigrés, l'ancien, on disait de or à cuivre. Mais là, actuellement, c'est de or à orange. De jaune à orange. On lui demande d'avoir les oreilles haut placées, contrairement à son cousin le British. On lui demande aussi d'avoir une tête en trapèze, alors que chez le British, on va lui demander d'avoir tout dans la rondeur. Et le British va exister dans différentes couleurs et dans différentes longueurs de poils. Donc ça, c'était pour le chartreux. On passe sur la table d'à côté. Nous allons arriver à aussi encore un bleu. Alors attention, ce que vous voyez gris, chez le chat, on appelle ça bleu. Le gris, c'est pour les souris. Nous, on reste sur le bleu. Alors vous allez avoir du gris cendre au gris ardoise. Au bleu ardoise, excusez-moi. Donc là, au niveau du sphinx, on est sur un chat qui est né au Canada. Il nous a été apporté il y a quelques années par une juge qui est très connue dans le monde félin. Ce chat-là, il faut savoir que le sphinx, la nudité, est née spontanément dans la nature. Ce n'est pas quelque chose qui a été travaillé par l'humain. C'est quelque chose qui a existé dès l'origine. Donc le sphinx, pour vous imaginer un petit peu, le chat a une température interne qui est environ de 2 à 3 degrés de plus que nous. Et donc le chat, là, on a l'impression de toucher une pêche au soleil. C'est quelque chose de un duvet très chaud.
et c'est une sensation très agréable. Et au-delà de ça, le caractère du sphinx, c'est un chat qui est extrêmement affectueux et très proche de ses maîtres. Donc on lui demande d'être nu, on lui demande aussi d'avoir un petit peu de bas-ventre. En fait de ça, chez l'humain, on lui demande tout l'opposé. On lui demande d'avoir des plis, on lui demande d'avoir du ventre, on lui demande de ne pas forcément avoir une tête esthétique, alors qu'il est adorable. Donc ça, c'était pour notre ami le sphinx. Ensuite, à côté, on va changer de longueur de poil, puisque là, on passe du nu, on a vu le court. Là, on va passer au mi-long. Il s'agit du ragdoll. Le ragdoll, là aussi, on voit un bleu. Alors, c'est un bleu mi-ted. Mi-ted, pourquoi ? Parce que tout simplement, vous pouvez voir que sur ses pattes avant, il est ganté. Et à l'arrière, on a les bottes qui remontent jusqu'à quasiment mi-jarret. Ce chat est à poil mi-long. Vous pouvez voir aussi son profil. Il va en toboggan. Attention à ne pas confondre avec le sacré de Birmanie, où on n'attend pas les mêmes degrés de standard. Le sacré de Birmanie, on lui demanderait d'avoir des éperons et avoir un gandage parfait. Là, on parle de bottage. Au niveau de ses yeux, vous pouvez admirer ses beaux yeux bleus qui sont dus à sa couleur. Et on appelle ça un chat point. Alors un chat point, tout simplement, c'est les extrémités qui se colorent. On va avoir la queue, on va avoir le masque, les oreilles et les pattes. Donc ça, c'était pour le ragdoll. Ensuite, nous allons passer à un chat. Alors, pareil, c'est comme le sphinx. Nous n'avons pas d'intervention humaine. C'est quelque chose qui existe dès l'origine dans la nature. Le Scottish, Foyd pour les oreilles pliées et Straight pour les oreilles droites. Attention à ne pas confondre, ce n'est pas non plus un British. Le Scottish, on lui demande d'avoir les oreilles pliées en avant, en façon de, comme une casquette. On appelle ça aussi le chat chouette. Alors, il faut savoir que ce qui est méconnu généralement en exposition et en présentation, le Straight qui est à côté, ça nous sert en auxiliaire d'élevage et en reproduction. Tout simplement parce que pour les éleveurs, il leur est interdit de marier le Foyd avec le Foyd. Donc du coup, ils doivent travailler avec des chats qui sont Straight, avec des oreilles droites. Donc vous allez trouver cette mutation génétique aussi dans une autre race qui s'appelle le Curl. Donc là, au lieu d'avoir les oreilles pliées en avant, elles vont être pliées vers l'arrière. Ceci est tout à fait naturel, c'est simplement du travail de sélection que les éleveurs font. Donc là, vous allez avoir toutes les couleurs et la version poil long du Scottish va s'appeler le Highland. Ensuite, on passe à un chat qui est vraiment extrêmement rare. Tout simplement parce que ce chat vit sur une petite île, Kuril. Donc voilà, c'est tout simplement des archéologues qui ont trouvé ça pendant qu'ils étaient en train d'étudier des volcans. Et cette population de chats vivait un petit peu en vase clos, donc en bonne consanguinité, ce qui fait que ces chats se sont multipliés. Et vous pouvez voir au niveau de sa queue, au niveau du standard, on lui demande qu'elle ne fasse pas plus de 3 cm. Donc pour vous dire que le standard est très poussé, et les éleveurs travaillent à continuer à maintenir ce patrimoine pour arriver à des chats qui continuent à avoir cette particularité-là génétique. Donc ensuite, on va passer à une autre race. Alors une autre race, attention, vous avez des grands individus, ce sont des adultes. Il y en a un des deux qui a 9 ans. Il s'agit du Munchkin. Le Munchkin, là, vous avez deux versions qui vous est présentées. La première qui est le poil court et juste derrière, vous avez le poil long. Alors, la particularité de cette race, c'est tout simplement que c'est courte sur patte. On appelle ça du nanisme. C'est tout à fait normal. N'allez pas chercher. Là aussi, l'humain n'a pas travaillé. On n'est pas dans les OGM. Ce sont des chats qui sont naturels dans l'état actuel et dans les rues. Voilà. Donc, il existe beaucoup de motifs. Vous avez là la version qui vous est présentée en poil court et en poil long. Donc la femelle, il y en a une qui a 9 ans et l'autre 1 an. Donc autant vous dire que là, nous avons affaire à des chats adultes, donc pas à des bébés, simplement le nanisme nous donne l'impression d'être petit. Ensuite, on passe à deux races. Alors sur le côté droit, vous avez un persan. C'est un chat à poils longs pour nous. Alors ces chats-là ont la particularité tout simplement d'avoir la face plate. La face plate, c'est ce qu'on appelle le front, le nez et le menton dans le même alignement. Il faut vous imaginer une orange qu'on aurait coupée en deux. Voilà le standard, on lui demande d'avoir le front, le nez et le menton alignés. Bien sûr, en préservant les facultés respiratoires du chat, on va lui demander d'avoir les narines les plus ouvertes possibles. On va lui demander aussi d'avoir les oreilles petites, bien espacées, avec des yeux bien ouverts et bien expressifs. Là, on est sur un chat de format Kobe, donc c'est-à-dire un carré. Vous avez à sa gauche la version poil court.
donc un exotique shorter. Donc tout simplement, suite du persan, les éleveurs se sont dit, tiens, on a des poils courts, il serait intéressant de travailler. Ils ont commencé à travailler le poil court à partir du mi-long en conservant la partie du patrimoine génétique et le physique du chat poil long. Donc c'est pour ça que l'exotique ressemble assez à un persan, ce qui est normal, mais en version poil court. Là, vous avez un deuxième persan. Donc là, on retombe dans le bleu. Donc comme quoi, vous voyez que les nuances de bleu sont assez vastes. Donc là, pareil, on retrouve bien cette tête en demi-orange. On retrouve bien ces petites oreilles bien espacées, une morphologie assez substantielle, c'est-à-dire bien sur ses pattes, une bonne musculature, une bonne ossature. On retrouve un magnifique toilettage. Il faut savoir que plus le poil est long, plus il nécessite d'entretien. Il faut savoir que, bien sûr, ça fait des nœuds. Comme tout chat nécessite un entretien. Le sphinx, par exemple, il a besoin de protection solaire parce qu'il n'a pas de poils qui les protège. Là, c'est pareil, c'est un chat qui nécessite un brossage parce que naturellement, il ne peut pas le faire toujours lui-même, même si c'est des chats qui arrivent très très bien à s'entretenir. Alors ensuite, on passe à une race de chat qui est aussi très confidentielle, qui est portée par monsieur. Donc il s'agit du Singapura. Le Singapura, c'est un chat qui existe naturellement à l'état sauvage. Il faut savoir qu'à l'origine, deux touristes américains dans la ville de Singapour ont vu des reflets nacrés dans les lumières, des chats qui faisaient les poubelles, donc des chats de rue. Et ils se sont dit, tiens, il y a un reflet nacré dans les lumières. Et ils ont décidé d'importer cette race de Singapour vers les États-Unis pour la faire reconnaître pour cette particularité-là. On peut voir que ce qu'on appelle ça, on appelle ça une robe ticktail. Tout simplement, la base du poil va être très claire, l'abdomen et le ventre vont être aussi beaucoup plus clairs, et on va lui demander d'avoir des reflets nacrés, avec des bandes de couleurs différentes sur le corps. On lui demande aussi d'être un des félins les plus petits au niveau des chats domestiques. Donc vous avez l'un des plus petits chats qui existent. On lui trouve des yeux extrêmement expressifs, bien ouverts, des oreilles toujours à l'alerte, bien ouvertes aussi à la base. Vous avez un chat donc de petit gabarit, mais qui paraît très, très petit et léger, alors que quand on le porte, on a une impression vraiment lourde. Et c'est un chat qui est très massif et très costaud. Ensuite, nous arrivons à le chat américain. Il faut savoir que c'est un pédigré sur quatre qui est édité en France. Il s'agit du Maine Coon. Alors le Maine Coon, on lui demande d'avoir une boîte au niveau du museau qui se détache bien de la tête. On lui demande aussi d'avoir ce qu'on voit au-dessus des oreilles, ce petit plumet, on appelle ça les lynx tips. Alors pourquoi Maine Coon? Tout simplement parce qu'il est originaire de l'état du Maine, et le Coon tout simplement par rapport au raccoon, ce qu'on appellerait nous le raton laveur. Et ses poils mi-longs et sa queue longue lui permettent l'hiver de se mettre en boule et de se protéger du froid. Il a été importé lors des colonies, dans les bateaux, et il s'est retrouvé à l'état sauvage, et donc du coup il s'est retrouvé dans l'état du Maine. Et c'est une race qu'ils ont continué à travailler, donc on est sur un chat qui est l'un des plus grands, l'un des plus athlétiques. Le plus grand a été mesuré à 1,20 m d'envergure entre le museau jusqu'au bout de la queue. Donc c'est vraiment un chat très musclé, et au niveau comportement, c'est l'un des chats préférés actuellement des Français et du monde entier. Voilà. Mais sachez que tous méritent que vous alliez voir. Et l'avantage, c'est que le chat de race vous permet de correspondre à vos goûts. Et vous avez vraiment un large choix entre le court, le nu, le plus court, le nanisme. Vous avez un petit échantillon qui vous est présenté, le poil long. Il y a vraiment tout pour vous. Donc on va faire un petit balayage. Donc là, on reprend le Maine Coon. Donc là, c'est une femelle. Alors pourquoi je sais que c'est une femelle? Tout simplement parce qu'elle est tricolore. Quand il y a trois couleurs chez un chat, c'est automatiquement une femelle. C'est une particularité génétique où 99% de la population féline qui exprime ce gène-là ne peut être qu'une femelle. Ensuite, nous avons le Singapura, donc le chat de Singapour avec des reflets nacrés. L'un des plus petits félins, on passe à l'opposé. Ensuite, du poil court, on passe au poil long, le persan bleu. Donc là, on retrouve bien la tête avec la face plat. Donc ensuite, nous avons un autre persan. Donc le persan, donc là, on change de couleur. On est aussi sur une femelle. Donc ensuite, on passe à l'exotique shorter, la version poil court. Ensuite, nous passons à nos munchkins, le munchkin poil court.
et le Munchkin poil long. Donc ces chats-là, je vous le répète, c'est naturel, il n'y a pas eu de travail derrière. Les éleveurs ont simplement fait de la sélection pour conserver le patrimoine, un peu comme des artisans d'art cultivent et travaillent leur art, mais là, tout simplement, c'est avec le respect de l'animal. Ensuite, nous avons le Curlian Bobtail, donc avec une queue quasiment absente, qui doit faire maximum 3 cm. Ensuite, nous avons les Scottish, donc le Scottish Foiled et le Scottish Straight. Je vous rappelle que la mutation opposée, les oreilles de l'autre côté, ça s'appelle le curl. On le retrouve chez l'American Curl. Ensuite, nous avons le Ragdoll. Le Ragdoll qui a un profil en toboggan. On le trouve aussi là, qui vous est présenté en mi-tête, donc avec des bottes. À ne pas confondre avec aussi une autre race française qui est le Sacré de Birmanie, où on lui demanderait tout à fait autre chose au niveau du standard, on lui demanderait d'être ganté et tout ça, mais là je vous invite à aller sur le stand ou sur le site du LOF, on vous renseignera sur le Sacré de Birmanie. Ensuite nous avons notre Sphinx bleu, donc le Sphinx bleu, la version nue, tout à fait naturelle, qui existe naturellement, on lui demande donc d'avoir tous ses plis, d'avoir le minimum de poils possible. Une queue aussi qui fait un peu ras, ce qui est normal puisqu'il n'a pas de poils, donc la queue paraît extrêmement fine, un peu comme un fouet en lasso. Et ensuite, nous terminons donc par le chartreux, le chat français par excellence, qui a été beaucoup travaillé il y a quelques années pour sa pelisse, tout simplement pour la peau. Il faut savoir que ça fait partie des races qui ont été sauvegardées à contraint par ce travail-là. Et aujourd'hui, mais encore heureux, il n'est préservé que par les éleveurs. Donc il faut savoir que tous ces éleveurs-là conservent une partie du patrimoine, que ce soit national ou international, et ils travaillent aussi à la sociabilisation de vos futurs chartons, à ne pas confondre avec vos chats que vous pouvez avoir dans les rues. Ils mettent énormément d'amour à sélectionner leurs chats, à conserver ce patrimoine-là, ces spécificités génétiques qui font que le chat de race, c'est le chat de race, à ne pas confondre avec le chat des rues qui mérite tout autant aussi votre amour. Mais quand on a choisi son chat de race qui se correspond, on ne peut pas le comparer avec un chat qui est dans la rue. Et je vous invite aussi à aller voir tout ce qui est SPA, tout ça, parce que eux aussi ont besoin de trouver des familles. Mais là, si vous avez vraiment craqué sur un chat de race, allez-y. Donc je vais vous inviter, les éleveurs, à faire le tour du ring pour présenter au public. Je vous remercie à tous. Je remercie encore une fois la Société Centrale Canine ainsi que le Concours Général Agricole et le Salon d'Agriculture de nous avoir permis de faire cette présentation. Je vous souhaite un très bon salon et je vous invite à rester autour du ring. La présentation canine va continuer.